Ah ouais, chers amis, eh bien aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment intéressant, bien sûr, de la conscience de Krishna. C'est toujours quelque chose de vraiment intéressant. C'est une philosophie qu'on apprend à développer notre conscience, bien sûr. Et au fil du temps, notre conscience change et notre façon de penser est différente de n'importe quel matérialiste. En fait, quand on lit les livres de Prabhupada, Prabhupada, parfois, il n'est pas sévère, mais il dit la vérité. Il dit la vérité. Lui, c'est pas toujours agréable pour le matérialiste d'entendre cette vérité-là. Entendre qu'on va mourir, qu'on va vieillir, qu'on va laisser nos enfants, qu'on va laisser nos, que ne pas apprendre à s'attacher aux enfants ou à la famille ou quoi que ce soit, parce qu'on va les perdre tôt ou tard, hein, ou à notre conjointe, peu importe. C'est pas des choses vraiment intéressantes d'entendre parler de la mort, parce que Prabhupada parle souvent de la mort dans ses livres. Hein. Et puis, mais Prabhupada parlait sans compromis. Hein. Il dit, en fait, on reprend la conscience de Krishna, on n'apprend pas l'opinion des matérialistes, mais on leur donne la philosophie de la conscience de Krishna. Ça, c'est différent. Hein. Mais peu importe qu'elle soit agréable à accepter, ou non agréable, on la donne telle qu'elle est. Hein? De dire, comme je disais, c'est pas toujours intéressant d'entendre parler qu'on va mourir un jour, mais c'est vraiment un fait, c'est vraiment la vérité qu'on va mourir un jour et qu'on va laisser tout ça. Tous nos attachements dans du monde matériel, on va tous les laisser, veut pas, puis on ne sait même pas quand, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans la prochaine seconde, on ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Ça, c'est vraiment pas agréable à savoir. On a toujours l'impression qu'on va vieillir, qu'on va rester, qu'il nous en reste encore. Comme moi, j'ai 70 ans, j'ai souvent l'impression que j'ai encore pour une vingtaine d'années, mais je ne sais pas, j'ai aucune idée, je ne sais pas. Fait que ça. Mais en fait, mais la mort va venir, c'est certain, puis on n'aime pas entendre parler de ça, parce qu'on est occupé à différentes choses, travail, ça gratifie les sens, avoir du plaisir. On ne veut pas entendre parler de la mort, on ne veut pas entendre parler qu'on veut vieillir, on ne veut pas entendre parler qu'on va être malade, mais ce sont toutes des choses qu'on doit subir, veux pas. Hein? All right. OK, puis encore une fois, bien, je dis, papa, il parlait sans compromis, vraiment, il disait la vérité. Puis même il y a certains dévots qui changent certaines, ou qui veulent changer des choses dans ce que papa a dit. Hein? En fait, certains dévots changent même les livres de papa, changent parce que c'est trop. C'est pas facile d'accepter cette philosophie-là. Elle est dure à... C'est dur à concevoir. C'est pas dur à concevoir, mais c'est vraiment la réalité. On n'aime pas l'entendre. C'est que, comme je disais encore au tout début, bien, on ne doit pas s'occuper de l'opinion des gens. On doit juste donner la vérité telle qu'elle est. OK? All right. Hare Krishna et à la prochaine capsule philosophique. Hare Krishna.